On va écouter cette chance absolument unique pour la France qui nous explique pourquoi il est venu dans notre pays. Et il explique, nous sommes venus ici pour récupérer nos biens. Parce que la France lui a tout pris. Alors c'est légitime qu'il arrive ici pour tout prendre à la France. On va écouter ça avec un filtre anti-droit d'auteur. Est-ce que vous comprenez le pourquoi qu'elle veut Ils arrêter n'ont pas. l'immigration massive? Eux-mêmes, là, si tu leur demandais pourquoi, eux-mêmes ne peuvent pas te dire pourquoi. Parce qu'eux-mêmes qui veulent arrêter l'immigration, c'est les immigrés aussi. Vous ne pensez pas que ça a rapport avec le fait que justement les immigrants qui rentrent ont accès à tous les services, qui fait un fardeau Mais fiscal voilà, à la population? voilà, bon, là, maintenant, on rentre dans le politique du fin fond. Je vous explique le fin fond, c'est quoi? Qui a ramené la guerre en Afrique? C'est les Français. Pourquoi? Pour aller voler nos biens. Nous, maintenant, on est venus ici pour venir récupérer nos biens. Voilà, donc tu ne peux pas nous chasser comme ça. Alors que les Français, ils ont aidé à développer leur pays. On a construit des hôpitaux, des écoles, les entreprises investissent toujours de plus en plus en Afrique. Ils n'arrivent pas à se développer, ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas. Alors qu'on injecte tellement de pognon, on essaie de construire des trucs pour eux, mais ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas. Et après, ils viennent en France pour tout nous prendre parce qu'on est méchants avec eux. Ok. Donc, vous pensez que vous avez un droit acquis? Bien sûr, on a un droit acquis. Parce qu'ici, on est dans le pays des droits de l'homme. Alors non, en France, on est dans le pays du droit de l'autre. Si tu es français, tu n'as le droit à rien. Ok. De quel pays il parle? Il n'y a pas de hutte en France. Ces gens sont complètement paumés. Qu'est-ce que les gauchos leur ont foutu dans le crâne? C'est chaud quand même d'être aussi stupide. Alors faut pas abuser, hein, ils vivent pas non plus dans des huttes. Ça dépend, ça dépend. Dans certains pays en Afrique, oui. Mais dans la plupart des pays, ils vivent pas dans des huttes, hein, faut pas abuser. Il s'agirait de doser, les copains. Ok. C'est surtout l'éternelle excuse pour justifier le pillage. Je partirai pas. Ils auraient bien plus à réclamer à la Turquie, à l'Arabie Saoudite ou aux autres pays africains plutôt qu'à la France. Je pense qu'il est grand temps d'offrir des livres d'histoire à toute l'Afrique. Ici, souvenez-vous, Raphaël Arnaud, le triple fiché S condamné pour violence, qui a fait de la garde à vue pour avoir attaqué un policier qui agresse des gens, a été élu. J'en reviens toujours pas, et du coup, ça a même mérité un reportage rien que sur BFM TV. Souvent visé par les critiques, c'est sous les cris de joie que Raphaël Arnaud a terminé sa campagne législative. La force de cette candidature, la force de cette victoire aussi, on a mis quand même 10 points à la députée sortante du RN dans un département où personne ne nous voyait vainqueur. Une victoire nette, malgré son profil sulfureux. Raphaël Arnaud, chef de la jeune garde antifasciste, a souvent été ciblé par ses adversaires en raison de son statut de fiché S. Non mais sans déconner quoi. Et il va être payé 24 000 € par mois avec vos impôts. C'est génial. Pour lui, sa victoire est donc celle de la radicalité. À toutes les personnes qui penseraient que il faudrait un peu courber les chines face au programme de l'extrême droite, qui penseraient qu'il faudrait adoucir nos programmes, adoucir nos paroles, preuve en est ici que c'est la fermeté de l'antifascisme, de la lutte contre l'extrême droite qui paye. Une personnalité controversée, c'est justement ce qui a plu aux électeurs du. Alors là, regardez la tronche des électeurs. Alors ça, c'est pareil, c'est fantastique. Nouveau député. Mais c'est le plus grand. Donc là, c'est un couple avec des lunettes de couleur ronde plus haut. Je sais pas quoi vous dire, je sais pas quoi vous dire. Voilà, c'est l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Grand des bonheurs, c'était mon plus grand espoir, monsieur. Ce jeune qui est intelligent, qui est sans. Il est intelligent, les copains, d'accord? Il est intelligent, il est brillant. Il est très fort à la boxe aussi. Qui est intelligent, qui est sensible, il fait la preuve que les jeunes. Il est sensible. Parce que quand tu tabasses des gens, t'es sensible, d'accord? Jeunes sont pas bêtes et savent l'avenir qu'ils veulent avoir. C'est un député qui est engagé, c'est un député qui travaille avec les jeunes, c'est un député militant de terrain. Il a bien affronté la responsabilité et on est là pour le soutenir en tant que député engagé et pour l'accompagner dans ces luttes qui sont les nôtres. Si la gauche fête cette victoire dans le Vaucluse, les quatre autres circonscriptions du. Ils sont encore en boucle là-dessus. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde
le Front National. Je me demande s'ils vont changer de disque en 2027. T'sais, ils ont trouvé un couplet de 4 mots et c'est bon, là, ça y est, c'est un truc de fou. Enfin, leur demander de faire une phrase entière avec un sujet, un complément, c'est trop demandé, quoi. Là, ils ont trouvé 5 mots qui marchent. On va les répéter pendant 25 ans. Mais vraiment, mais c'est imbouffable. Et le pire, c'est que le RN est majoritaire, hein. On a eu 10 millions de voix. Si on a moins de sièges avec deux fois plus de voix, c'est juste à cause de magouilles, hein, et de déséquilibre au niveau des départements, etc. C'est tout. Parce que 94% des communes votent pour le RN, hein. Donc là, ils insultent la majorité des Français. Mais bon. Là, c'est un mec qui partage avec fierté que sa gamine de 6 ans fait des mots Front Populaire, raciste, etc. Sa gosse de 6 ans. Si vous voulez, les gauchistes, pourquoi ils ont autant de succès que les jeunes? C'est qu'ils vont les matrixer dès l'école maternelle, voire moins, quoi. Du primaire, tout ce que vous voulez. Et ils grandissent avec des idées nauséabondes et ils savent même pas pourquoi. Et on va parler de Régal Gorilla qui dit oui, si vous aimez One Piece, vous ne pouvez pas voter à droite. Mais mon ami, ça, on en parle dans l'archipel des hommes poissons de One Piece. Il y a Audi et ses copains qui, très jeunes, détestaient les humains parce qu'on leur mettait des idées nauséabondes dès leur plus jeune âge. Et une fois adultes, ils savaient même pas pourquoi ils avaient la haine. Vous avez le même comportement que les racistes de l'archipel des hommes poissons. À inculquer ça dans la tête de vos gosses. Hein, Régal Gorilla? Moi, je pense qu'au contraire, tu ne peux pas être de gauche si tu regardes One Piece, hein. Bon. Là, ils ont essayé de modifier un peu leur refrain. C'est plus la jeunesse qui emmerde le Front National, mais c'est la chenille maintenant. La chenille emmerde le Front National et 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 la Ok, donc il leur a fallu 6 mois pour modifier un mot de leur couplet de 5 mots. On progresse lentement avec la gauche, hein, faut pas trop leur en demander. Ok. Et maintenant, on va regarder quelques faits divers de ce qui se passe dans notre merveilleux pays. Là, on est à Boudou, dans le 82, percuté par l'arrière par un migrant bulgare roulant à vive allure dans une Audi A8, la mère retranchée dans sa voiture avec son gosse et menacée par les proches du chauffard. Son véhicule heurté par un chauffard roulant à tombeau ouvert, une mère de famille a eu la peur de sa vie sur la D813 entre Boudou et Moissac en Tarn-et-Garonne. Retranchée dans son véhicule avec son gosse de 4 ans, la conductrice a vu débouler un groupe d'individus proches du chauffard dans 5 véhicules, ces derniers menaçant de briser les vitres de son auto, lui réclamant de payer les dégâts. Il a fallu l'intervention de la gendarmerie pour pacifier la situation. Ok. Non mais sérieux, ce n'est clairement pas la France que j'aime, cela doit cesser. Ici, un mec sauvagement attaqué au couteau dans le métro de Marseille par un jeune homme suite à une remarque concernant son ami ayant les pieds sur la banquette. Je vois de plus en plus d'articles sur des mecs qui savent pas s'asseoir en fait sur les transports en commun. Ça demande beaucoup trop d'intelligence pour ces gens-là. De savoir poser leurs fesses sur un siège et de ne pas s'étaler sur 5 sièges, de foutre les pieds sur le siège en face, etc. C'est trop demandé. Ça demande trop d'intelligence. La victime aurait son pronostic vital engagé. Info Actu 17. Violente agression à l'arme blanche dans le métro de Marseille ce samedi soir, dans le premier arrondissement. Un jeune homme a poignardé à plusieurs reprises un autre usager d'une soixantaine d'années, le blessant grièvement, a appris Actu 17. Son pronostic vital serait engagé selon une source proche de l'affaire. Une remarque de la victime serait à l'origine de cette tentative de meurtre. Les faits se sont déroulés sur la ligne 1 vers 20h50. La personne de 60 ans aurait demandé à une jeune femme de retirer ses pieds de la banquette, ce qui aurait provoqué la colère de l'ami qui l'accompagnait. Le ton serait monté
et le jeune homme a utilisé un couteau de type Opinel pour poignarder l'homme à au moins deux reprises à l'abdomen et au bras, indique la même source. La victime aurait utilisé une bombe lacrymogène pour tenter de se défendre en vain. Le signal d'alarme du métro a été tiré et il s'est arrêté à la station Saint-Charles. Les secours ainsi que les policiers sont rapidement arrivés sur place. L'agresseur et son ami avaient déjà pris la fuite. La victime a été évacuée à l'hôpital dans un état grave. Une enquête a été ouverte et les policiers vont exploiter les images de vidéoprotection du métro et notamment celles de l'intérieur de la rame. Les caméras ont filmé une grande partie de la scène, confie notre source. Tout va bien, raison de plus pour voter anti-racaille. Enfin, il a écrit ça avant les élections, hein. Le nom de l'agresseur n'est pas donné pour ne pas stigmatiser. Un simple fait divers et voter Front Populaire ce soir, non, je déconne. Ce n'est qu'un sentiment d'insécurité. Tout le monde a un couteau sur soi ou quoi? Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partagez, likez, commentez, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!